good to keep, of course, Anthony and Joe Russo. I mean, obviously, Captain America, the Winter Soldier, is very much a sequel to Captain America, First Avengers, and to Avengers. How exciting was it to embrace both the Marvel Cinematic Universe and the Captain America, the heroic mythology? And how did you make him your own? Comment ont-ils, se sont-ils appropriés l'univers Marvel, bien sûr, et aussi la mythologie de Captain America? It's interesting. It's been an interesting journey for us. I mean, I started collecting comic books when I was 10 years old. I have a very large collection still in my closet, thousands of books. So we're fanboys. I loved Captain America as a kid, but there were components of the character that I thought were a little superficial and somewhat jingoistic. Ed Brubaker wrote this great run in 2005 about the Winter Soldier. It was deconstructionist and postmodern, and a very interesting take on Captain America. It was thematically, it turned the mythology on its head. So we really embraced that. I started collecting, Frank Miller was a very important writer, and he was a big influence on us. Voilà, et bien pour nous, ça a été évidemment un voyage passionnant parce que depuis l'âge de 10 ans, je collectionne les comics justement et j'ai toujours dans mes placards des milliers de comics. Donc nous sommes vraiment des fans absolus. Et c'est vrai qu'enfant, moi j'adorais par exemple Captain America, mais je lui trouvais des aspects un peu superficiels, un peu égoïstes en quelque sorte. Et lorsque j'ai lu la version en Ed Brubaker en 2005, évidemment du soldat de l'hiver, et bien soudain je me suis dit, tiens, c'est une façon de déconstruire le personnage, de faire du postmodernisme en quelque sorte avec Captain America. Donc c'était un angle qui m'intéressait particulièrement, puisqu'il renversait finalement le mythe et la mythologie. Et puis bien sûr, Frank Miller a été une grande influence également. What about you, Anthony? The great thing about this movie for us is it combines two great passions for us. One is comic books. But the other one was Marvel told us they wanted to set Captain America in a modern-day political thriller that was inspired by the great political thrillers of the 70s. And we grew up on those movies. We used to watch them on The Late Show with our dad, who's in the back of the room over there. Movies like Marathon Man, 3 Days of the Condor, these great thrillers of the 70s, helped us form our understanding of cinema and the cinematic language. And so the fact that we got to combine both comic book passion and that genre was really special for us. Alors, c'est vrai que il y avait deux choses vraiment qui étaient aussi fascinantes. C'est que nous pouvions, grâce à ce film, finalement, combiner deux passions. Celle que nous avions, évidemment, pour les comics, mais aussi celle que nous avions pour les thrillers politiques des années 70, finalement, qui nous ont fait grandir. Je me souviens de regarder avec notre père, qui est d'ailleurs là-bas au fond de la salle, The Late Show, et on regardait Marathon Man ou bien Les Trois Jours du Condor. Et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment un modèle, un genre que nous avons pu explorer grâce à Captain America. Donc vraiment, ce mix de Marvel, du Captain America, mais aussi des thrillers politiques des années 70 sont deux influences dominantes dans ce film. Well, there's a question really for you three now. I mean, did their vision, in a way, change your take on the characters you know so well? I mean, the script also involved and was more challenging this time around. Personally, very much so. I mean, you always have to have a certain marriage with your director, not just in an intimate, personal level in terms of the interpretation of your performance, but just knowing visually what they're going for. You know, it's filmmaking is a very intangible process, so the more communication you can have with your director, the better the final product will be. But my first meeting with the Russos was so promising because we really had such similar aspirations as to where we wanted to take the character and how we wanted him to move, especially physically. And the first two Captain Americas, he was just becoming acclimated with his abilities, and we just wanted to try and show why he deserved the spot on the Avengers roster, and just kind of borrow some more dynamic fight styles from some other films that really nailed that kind of action combat genre.
Alors, c'est vrai que c'est très important lorsque l'on tourne un film qu'il y ait une relation très personnelle avec le ou les réalisateurs, presque un mariage. Parce que visuellement, c'est vrai qu'un film, l'art de faire un film, eh bien, c'est très intangible. Donc plus il y a de communication, et plus effectivement c'est important pour des acteurs. Je me souviens lors de ma première rencontre avec Anthony Angelo, eh bien, nous avions les mêmes aspirations finalement. Nous voulions effectivement pousser le héros plus loin. Je dirais non seulement plus loin géographiquement, mais aussi physiquement. Dans les deux premiers, en quelque sorte, il s'habituait à ses capacités, à ses pouvoirs. Mais là, aujourd'hui, on veut montrer pourquoi il a un rôle aussi essentiel, évidemment, dans la mythologie des Avengers, et pourquoi il a cette position si importante. Et on va donc donner, physiquement parlant, eh bien, un style de combat bien plus moderne, bien plus adapté, une technique accrue, ce qui fait que pour moi, c'était très intéressant. What about you, Scarlett, the Black Widow? How much have you changed or not with the vision? Hi. I didn't, you know, when I first spoke to Kevin Feige at Marvel about the Widow appearing in this movie, I didn't really know how she would fit in with the Cap story, because obviously in the kind of in his previous life or that kind of in his previous incarnation, it would have been totally, I mean, it seems to be just a kind of way to stuff me in. Of course, after I heard, you know, the Russo brothers take through Feige's words about, you know, this sort of flavor they wanted to infuse this film with, you know, that kind of 1970s political thriller. And, you know, of course, it was my character having a sort of past that would definitely favor towards a kind of an espionage type of story. That made much more sense to me. I mean, obviously these characters don't really fit in a romantic context, so, you know, it was kind of about trying to find a common ground between them. And I think you kind of do find an unexpected common ground, kind of similarities between them. Alors là, c'est vrai que lorsqu'au départ, j'avais rencontré Kevin Feige de Marvel, bien sûr qu'il dirigeait Studio Marvel, eh bien, je me demandais vraiment comment mon personnage allait finalement exister au sein de cette mythologie. Alors c'est vrai que dans les deux précédents, eh bien, j'étais un peu juste là, comme un personnage, mais on ne me voyait pas vraiment évoluer. Alors que ici, lorsque j'ai parlé avec effectivement les frères Russo, en quelque sorte, et leur vision du thriller politique des années 70, soudain, j'ai aimé le ton particulier, la vision particulière qu'il voulait donner à ce personnage. Mon personnage, cette fois-ci, même si son passé reste un peu mystérieux, il y a cet angle d'espionnage qui m'intéressait beaucoup. Et puis, il n'y a pas de contexte romantique qui est possible ici. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve avec Captain America, eh bien finalement, il y a, de façon tout à fait inattendue, on découvre des similarités entre les deux personnages. Et c'est ça qui m'a intéressée. What about you, Nick Fury? I mean, did you change your take, or is it still the same Nick Fury? Well, the same Nick Fury, but interestingly enough, we don't see Nick Fury too often where he doesn't have the upper hand. So when he does feel duped, he has to reach out in another way and try and find the answers to the questions that he has in his mind and he has about his organization. And it was great. You know, it's always great to kind of come back to the Marvel Universe, no matter what. You know, we all go off and do other things, and then we come back and put these costumes on, and it's kind of like we're the kids in the playground who come back together and kind of go, so what have you been doing? What have you been doing? So what game are we going to play today? And we all get together and we start playing this new game. And Russo brought a new game, which was very interesting and great for us to play. So it was great. Alors là, évidemment, je suis toujours Nick Fury, et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on me voit davantage, en quelque sorte, dans l'action. Car lorsque je me sens trahi, eh bien, je dois agir de toute façon. Et donc, je dois trouver des réponses à des questions que je me pose, non seulement par rapport à moi-même, mais par rapport, évidemment, à mon organisation.
Et ce qui est génial avec finalement les films et les héros Marvel, c'est que bien sûr on fait tous entre des films Marvel d'autres choses. Donc quand on se retrouve, on discute, on échange des idées, on se dit alors qu'est-ce que vous avez fait entre temps? Et puis surtout, on est prêt à jouer le jeu. Et le jeu que nous a proposé les frères Rousseau, il a été un jeu passionnant. On a eu beaucoup de plaisir à se retrouver tous ensemble. Question.